Tu sais que c'est une dinguerie là. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais je vais le faire parce que là, là, faut que je change ce game là. Faut que je change. C'est XT. Ceux qui n'ont jamais vu ma ganache, bah, ça c'est WAM. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Alors là, qu'est-ce qu'on va commencer? Là, je vais commencer un tout nouveau truc là dans ma vie. Je vais vous montrer, on va dire, mes petites journées de temps en temps. Là, je suis chez moi, je suis sur Marne. Je dois aller au clip de mon frérot Back Gen B. Donc là, on va y aller. On va y aller en pétard. Là, je suis obligé de faire une sorte de petite intro, t'as capté. Et une introduction à tout ce que j'ai commencé à faire, à montrer. Parce que ouais, c'est une première. Là, je suis là, je tiens la caméra. Je sais pas comment je m'appelle, frère. Là, vu que le bus est pas, on va péter ça. Et voilà. Bonjour. Excusez-moi, je vais te prendre 3 cigarettes. On va déjà. Il y a les photos. Voilà, je monte pas dans le train, ma bille, j'ai fini ma cloche. Là, ouais. Là, blanche, je dois aller dans le set. Et le truc qui est pratique avec ça, c'est que maintenant je peux me filmer, il peut voir, il y a qui derrière moi là. Donc, il y a des contrôleurs. En vrai, vu que là, c'est vraiment ma première vidéo, voilà, je pense que j'ai commencé à mettre des bases. Alors, quelles seront les bases sur ma chaîne? Qu'est-ce donc, que je ferai coup, quelles seront... Ouh, des retours dans le 15e arrondissement de Paris. On est là. Donc là, je suis en train de marcher jusqu'à l'adresse du clip. Là, je crois qu'ils sont sur un toit. Ouais. On arrive sur dans le lieu de tournage là. XT! Ouais, c'est bon, là, c'est avec la caméra. C'est quoi, nous? Ça, c'est un mec qui est masqué toute la nuit. Mais il est très fort. Et bah, il est. Tenez, il est dedans, là, il fait la star. Il a ramené sa caméra, ça. Eh, tout le monde est choqué. Un vlog de l'année, là. C'est marrant, c'est recul. Hey, guettez le métis, là, il a Apple Vision tout. Ouais, enfin, hey, back. Hey, guette, s'il te plaît. On dirait pas un télétébise. KD. Oh, c'est trop. Hey, Tour Eiffel. KD. Hey, KD. Tour Eiffel. KD. Attends. KD. Allez. Vous allez dans la couette, mais c'est les tiens que j'ai dans les mains. J'ai arrêté le basket, mais elles sont one-one. C'est ça, bouge ta tête, mec, bouge ta tête. Je suis entouré de boss. Un mal. Vas-y. Attends, dis quelque chose pour la Tour Eiffel, s'il te plaît. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais c'est les siens que j'ai dans les mains. J'ai arrêté le basket, mais elles veulent son one-one. Quand je pars à elle à côté, y'a pas de vémar de tenir les murs. On veut finir comme John Wood. Coucou. Attends, tu sais quoi? Je fais des va-et-vient, je fais des allers-retours. En Europe sans euro, tu veux aller? Bon allez, je vais te poser ça. On va pas prendre plus de vous. Voilà, donc ça c'est la petite partie voilà, RR. Ah là tu fais quoi? Moi je fais ma chaîne YouTube, ça, ça, ça va être méchant. Salut à tous, c'est Bag. On se retrouve dans un nouvel épisode de Lives d'XT. Et XT, vas-y on trouve un nom pour ton vlog. Les vlogs d'août d'XT. Non, je frère. ouais. Elle. Tu préfères ressembler à l'ENA situation ou être BG dans n'importe quelle situation? Tu dis quoi toi? Devant. T'as quoi à dire pour ma chaîne genre? T'en penses quoi de l'évolution qu'elle aura dans le futur? C'est bug là. Je sais pas. C'est quoi ce truc hein? Ok. Moi franchement, respect hein, XT, toujours dans notre cœur depuis le début, donc c'est bien qu'il m'a sa vie maintenant. Parce qu'il a une vie très mouvementée, donc le lifestyle il est continué en fait. Ok, mais carré, merci. Je lui fais des bisous. Moi, merci Nino. Explique. Parce que là, en mode, je suis dans la Rolls Royce. Et il y a un autre truc de baiser en mode. Est-ce que vous savez, il y a quoi dans la sacoche? What's it in my sacoche? Il y a un putain de donut. Mais attends, ça fait des photos. Attends, vas-y. Le donut il est en pétard. Mon donut il va passer en photo en star, putain. Mon donut il va faire 5000 lives. Mon donut il va faire. Donut. Et il est actuellement 18h. Mais c'est ça les gars, en fait le problème c'est qu'avec une caméra en fait, moi je regarde le retour mais il faut regarder l'objectif. C'est ça le frère. Je pense que les gens. La oui, veste là. Oh, elle est super jolie la veste. Franchement, je fais des photos. Mais ouais, elle est super jolie.
Elle est grave jolie la meuf. T'as capté? C'est dinguerie ou quoi? C'est une marque indépendante, vous savez, ça a été créé comme c'est ça? C'est un showroom privé, machin, on est allé là-bas. On dirait la veste, elle est partie à Rotterdam. De baiser. Vlog. XT. In XT we trust. Eh oh non, je crois que j'ai pas les feuilles. Oh putain. Bon bah fin de tournage. Ah, c'est bon, je suis focus. C'est trop dur. Un bal, tu ça, regardes, tu vas te remettre le pull bleu. Moi j'aime bien. Regarde. On boit pas, j'ai pas essayé de me filmer. Ouais, t'as essayé de te filmer dans le. T'as capté, non, ça sert à rien, c'est mort, c'est mort. Eh les gars, eh là faut kiffer les gars. C'est pour ton vlog, vas-y. Hey, salut YouTube. Eh les gars, attends, j'ai testé une folie là. Elle est où ma puff là? Eh, j'ai toujours rêvé les gars. Ouais. Les meilleurs sculpturels. Ça ment pas, ma gueule. On sort du parking. Putain, smash bug. Oh la vie ma mère. C'est pas du Coca-Cola. C'est pas bien. Là je montre le produit. C'est de la prévention avant tout. J'ai pas du tout acheté ça avant tout. Mais pas de coca par des professionnels. Pas de coke. Tour food. Re, du coup là on est avec l'Also. Là on va monter des putains d'escaliers. À l'intérieur de notre studio, l'Also lui va très. Mais en tout cas voilà, c'est pour vous dire que croyez pas, genre ça se déplace en piano, en Rolls Royce. Non, métro. Ça prend le métro mon pote. Parce que ouais, il y a beaucoup de gens qui se demandent Paris c'est comment. Vous croyez pas en Paris, la banlieue. C'est énorme hein. 14 minutes. Ah waouh. Ah, on est vraiment des poissons. Bon, ça c'est une des aventures qu'on peut avoir quand on arrive dans la zone. On vient d'arriver au studio, les gars. Je présente l'antre. Ça décolle du mal. Voilà, je monte le studio. Après le refrain, c'est chaud. Comment il est, Hélène? Directement dans le bleu. Ça fait longtemps, j'ai pas compté des pièces. Je peux pas compter combien de biches dans la pièce. Elle veut que je la casse, donc je passe à l'épice. Dans le jack, à le miel, c'est une chaîne, je la dresse. À l'époque, la PS3, je l'ai cassé toute la nuit. Je peux pas RS là. Sur moi, j'ai 3, j'ai J3. À l'époque du jean D3. À l'époque du Jean D3. C'est un truc les gars, on peut faire que des trucs dans la direction. On va parler de la langue. Vas-y, t'as capté. Là, moi, j'aime Nacha. Je sais pas si on me voit, mais j'aime Nacha. T'inquiète, le Uber il est là. Bref, moi je dois aller en soirée. Je vais laisser les frérots. Je vais faire prendre mes affaires. On y go. Je sais pas ce que la directeur veut dire. Je ne sais pas. Tu vois? Ça se trouve, du jour au lendemain, une grosse presta. Pour qui elle sera la presta? Mais moi j'ai envie de faire des prestas pour des gros, tu vois. Ouais, ouais, mais. T'as capté? Tu sais pas, justement. Ça se trouve, un jour, t'as un appel d'estate, yeah. Qui dit, il y a tel resta, il fait ton son. Mais après, vas-y. Tu sais, ces humains-là, moi je dis en mode. Vu que c'est un pays assez centré sur eux-mêmes, ouais. C'est très particulier d'aller. En fait, moi, j'ai pas envie d'aller bosser là-bas en mode je suis petit français, vas-y, ah oui, j'ai envie de leur sucer la bite, man. T'as capté? En fait, tu fais un truc depuis ici, tu vois. Non, pas forcément depuis ici, il faut quand même. C'est un truc, je pense, je suis forcément obligé d'aller là-bas. Dans le sens où en mode, c'est un truc. Moi, je sais qu'en France, en physique, c'est beaucoup plus
puissant qu'en distanciel. Les gens qui lui envoient des mails et tout, c'est très relou. C'est un truc, ça se crée beaucoup plus sur le direct, tu vois. Je pense que... Tu passes une soirée... Je serais obligé d'aller là-bas, tu vois. Mais j'habiterai pas là-bas, j'ai pas envie de forcément être là-bas. Mais tu vois, les trucs qui se passent quand même... un peu partout, tu vois. Même aller-retour, il faut aller en Europe, et tout, en Europe, ça se passe, tu vois. Barcelone, en Allemagne et tout, il y a des humains. Genre même aller, j'ai envie de... Genre Belek, j'allais dire quoi, un pays, mais l'Australie, il n'y a pas de musique là-bas, mais il y a juste des bêtes farfelues, t'as capté. non, je sais pas. En tout cas... Non, mais en tout cas, faut se casser. Non. En fait, là, faudrait que je mette le flash pour que les humains, vous les voyez, avec les frères. Yo. Bombo. Ça dit quoi? C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire au frérot. Joyeux anniversaire, pour l'anniversaire on pète les Nessie, c'est normal. On est mort. Mais important. Important. Vas-y. Tout le monde a des locks bien faites. Non. Non. Bah ouais, gros. Partie 2, ça arrive tout de suite. Eh les gars, oui. Ça arrive, partie 2. Là, je suis de retour. En direct. Là, c'était la partie 1. C'est partie 1 et voilà. Là, c'est la partie 2. Allez, c'est Thank you.